Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Channel Mon Affaire Bon TV. Eh bien, jeudi lundi, 13 janvier 2020, nous voyons que son date historique. Eh bien, c'est avec quel content que nous-mêmes, notre diaspora, nous levé. C'est avec quel content pays d'Haïti levé matin là. Nous dit tout blablabla fini. Sénateur, ça y est, pas en rien encore dans le pays. Député, ça y est, pas en rien. Comme nous sommes capables de constater sous page et Twitter officiel président. Nous voyons que li lance yon tweet à partir de minuit. Et mesdames, messieurs, président fait qu'on est que li prend acte. Président prend acte de vide inconstitutionnel qui te gagné. Président fait qu'on est que justement, eh bien, deux tiers dans le Sénat de façon officielle et mandat fini matin là. De façon officielle, chambre député a quitté. Eh bien, je dis là, c'est avec gros plaisir que nous payons à célébrer matin là, mais nous pas besoin d'oublier mal sénateur ça au fait pays, hein. Nous pas besoin d'oublier tristesse qui te gagne dans pays, hein. Nous pas besoin d'oublier toute l'argent sénateur ça yo ak député ça au voler pour pays, hein. Tandis que vous êtes capable faire un bagaille avec les, nous pas besoin d'oublier bilan sénateur yo qui zéro, nous pas besoin d'oublier yo. Et bien je dis là, nous content dès que mandat est fini et nous dit que c'est une date historique, 13 janvier 2020 là, on pense c'est son date que nous toutes nous devons écrire dans le calendrier nous parce que Abraham c'est assez. Je dis à là nous que le président Jovenel va prendre des gros décisions importantes en un pays, hein, parce que nous que le sénateur ça au député ça yo, c'est magouille yo te venir faire en un pays, hein. Si pas venir régler rien vraiment. Et bien justement décision que le président Jovenel va prendre, c'est des décisions qui va aider le pays. Donc, ça veut dire que faut que le président Jovenel mette des gens qui vraiment ont compétence bon côté parle. Au-delà que le sénateur Sao n'a pas d'immunité encore, eh bien, en pile de l'eau doit répondre à la justice. En pile dans le sénateur Sao doit faire face à la justice. Et là, n'a pas parlé des sénateurs, n'a pas parlé de Youri La Tortue. Entre autres, nous connaissons que Youri La Tortue gagne Basli, côté que la founizam, équipe liée à founizam, à jeune garçon. Et ça, n'a pas dit, c'est pas vous remonter, c'est bah, tout le monde connaît, tout le monde en d'un pays en connaît, mais en d'un pays d'Haïti, gon question silence, gèse de bagaille, mais si yon pas qu'à parler, nous même kap dit ça, c'est yon, en pile dans jeune garçon, ça yon, qui relè nous dans l'émission, qui a dit nous, Jimmy, mais ça, que sénateur ça yon a fait, mais dans qui secteur n'est-ce pas, bah, les âmes, à distribuer les âmes pour l'école pas ouvrir, pour jeunes garçons pas faire activité. Eh bien, nous-mêmes, beaucoup de pas, nous-mêmes qui avons suivi l'émission, qui avons contact, nous avons dénoncé, nous avons fait comprendre que diaspora, eh bien, nous pas accepté Jean Débat et ça. Nous contribuons trois bandes dans le pays pour nous simplement chita comme des simples spectateurs. Dans ce sens, nous dit président Jovenel, bravo pour belle initiative ça. Est-ce que vous reconnaissez que effectivement chambre et parlement pas existé et ou même beaucoup de pour gain pour prendre des grandes décisions et décisions ça nous connaît pas facile. Ce sont des décisions historiques que président Jovenel va prendre et n'a souhaité en pile force à président Jovenel, n'a dit courage. C'est kounya travail a commencé, mesdames, messieurs. C'est kounya bataille a commencé. Vole sa yo, koulev se tête sa yo, agraman sa yo, dragon sa yo, qui te bloqué pays. Eh bien, actuellement, bagay yo pas plus facile. Ou gen certain moun dans secteur privé, yo même tout beaucoup de pa yo, y a essayé pour yo, se pa la kapab kame en face président. Je dis là, ou même qui kon a supporté, ou même qui nan diaspora, ou même qui gen famille, mes amis, en nous prenons patience. On nous prend petit patience avec pays, parce que quand même, nous espérons que yo après aller mieux. Sénateur ça yo, ancien sénateur ça yo, monsieur ça yo qui gagne qui du ça yo, monsieur ça yo qui pas une vision, monsieur lâcher pays, hein, et n'a dit la police DCPJ, monsieur continuez faire bel travail n'a fait, hein. Continuez marrer voler ça yo, marrer yo, parce que c'est comme ça faut pays, hein, rétablir justice avec l'ordre, faut nous construire plus prison. Depuis son monde, peu importe dans qui parti politique ou yé, de vous reconnaître, de vous coupable, eh bien, on nous continue à marrer. Et nous-mêmes, beaucoup de par nous, n'a utilisé les médias pour nous dénoncer. Nous, même laisser tes mamans nous, même laisser tes familles nous, depuis son monde qui a détruit le pays, eh bien, on fait face à nous, on fait face à pays, on fait face à diaspora, on fait face à la justice. Dans le moment où on a parlé là, 19 sénateurs, ça, c'est de l'histoire ancienne. Youri La Tortue ou pas
pas rien dans pays en Don Kato ou pas rien pour suivre avec l'autre réaction nous les amis par nous monsieur Bonhomme Pierre Joe qui parle ben nous et situation de qui ça le penser des tweets là parce que nous c'est des tiers dans Sénat qui de façon officielle qui parle là encore et bien nous dit que pays en tape c'était soif ça et monsieur Bonhomme Pierre Joe comment est mon frère. Nous là, nous sommes tous les nous saluons tout le monde qui a attendu là dans ce moment-là. Je dis que c'est 13 janvier 2020 et que c'est 20 sous 20, 20 plus 20, 20 moins 20. C'est ça. Et nous précisons tout le monde que vous-même vous faites partie des plateformes Vive Ensemble et vous sont très très proches de président, vous sont très proches à l'IPHTK. Bon, nous dit tout le monde, je dis, hein, qui est arrivé là à Boutenier. C'est grâce avec détermination yo et volonté qui ont gagné pour te supporter président Jovenel Moïse qui c'est président qui est allé dans l'élection qui était élu pour 5 ans. C'est ça. Je dis nous car remarqué président Jovenel Moïse rencontre en pile difficulté sur lui mais c'est des monde qui te mettre dans scène je dis qui vient nous rendre vivable. C'est ça. Ça veut dire qui te kembe yon pays lok yon pays pendant plus que 1 an sans gouvernement sans budget à fonctionner. Je dis un nouveau pays à venir là, c'est pas ça président Jovenel Moïse s'est souhaité, mais c'est ça qui arrive, spécialement président Jovenel Moïse, et pour aller prendre toute disposition pour le diriger par décret, pour le faire bagaille qui pourra aller dans l'intérêt du pays d'Haïti, qui pourra aller dans l'intérêt du peuple qui plus mal, qui pas qu'à manger, je dis, qui pourra aller dans l'intérêt diaspora, là où apporter dans le pays, qui pourra rendre en sécurité. Parce que diaspora joue un gros rôle dans le gouvernement. Président Jovenel Moïse. Alors, pas dans le gouvernement président Jovenel Moïse, assez, c'est dans tout gouvernement qui passe, parce que diaspora, c'est diaspora qui est investisseur dans le pays d'Haïti, c'est diaspora qui tout pays a, nous connaissons, je connais, mais au même tout, pendant tout pays a, les apports en Haïti, qui n'est pas qu'il y a besoin, qui n'est pas pour l'état trop gros, qui c'est question de sécurité, qui c'est question de la santé, et on pense quand même qu'il faut que l'état prend toute disposition. Pour le mettre mise en place juste pour rendre la population à la solution. C'est ça, mais nous, que c'est sûr, certain, il n'y a pas facile pour le président Jovenel Tour. Et à partir de aujourd'hui, là, puisque l'a dirigé par décret, nous qu'on est dirigé par décret, ça veut dire qu'il y a une série de gros décisions que le président prend l'obligé de prendre. Décision, ça n'est pas facile. Nous, que par rapport, si nous regardons le financement que l'international a dû bailler à pouvoir, mais d'après toutes sources, nous, président, il n'y a pas besoin finance ça. Comment le président peut le faire et selon vous-même? Bon, je vois, Jimmy. Ouais, pays d'Haïti. Pays d'Haïti, lorsqu'il a marché, tout le monde a fonctionné, tout le monde est confortable. Et Haïti a besoin de propre financement pour le financer tête. C'est ça. Je veux dire, nous remarquons qu'il y a 19 sénateurs qui ont laissé 19 sénateurs qui ont écouté l'État haïtien des milliards de gouttes. C'est ça. Et qui paraît poté en rien pour le jeune peuple là. Qui n'a pas voté en rien, retourner vers le pays. C'était plutôt un riche paquet individu qui n'a pas offert au pays en rien, qui a travaillé contre le pays. L'homme dit qu'il a travaillé contre le pays, ce n'est pas parce que je suis pouvoir Jovenel là, ce n'est pas parce que je suis supporter Jovenel Moïse qui va me parler comme ça. Je parle comme ça, c'est parce que je suis haïtien. Donc je dis, Jovenel Moïse est au pouvoir là pour 5 ans, après 5 ans, il va aller sur l'autre cap vini. L'autre cap vini, on ne parle pas de lui. Je dis, on est qui veut. Calé dans l'élection, qui gagne l'élection, qui vient représenter le peuple, ou fait pour collaborer avec le pouvoir central, pour rendre la population pour tout sortir à l'en souffle. Nous remarquons ici, les gars dans le pouvoir, ils ne sont pas dans le pouvoir. Pendant que vous n'avez pas dans le pouvoir, Jovenel Moïse, là, qui est-ce qui est président de l'IA? Jovenel Moïse, qui est président de l'IA? Exactement. C'est mon seul pouvoir gain, son seul pouvoir gain, qui est pour les gens qui ont mis tête noire ensemble à Jovenel. Et Jovenel m'a dit au Chita à plusieurs reprises, je ne vais pas m'accepter. Je dis à pendant le mandat, tu n'as pas fini, tu n'as pas pensé sur ta poubelle dans le deuxième lundi mois de janvier. Tu n'as pas passé à la table. Tu as cherché poste. Nous avons remarqué qu'il y a un pile là qui est dans le poubelle, qui est dans le rampé, qui comprend qu'il va parler dans la zone pour faire sentir qu'il a fait un compromis, pour revenir sous ce, qui est bien contre mal calculé. C'est et nous-mêmes, peuple haïtien, et peuple haïtien tout, pour être sous piquant haut, il y a tant de président Jovenel Moïse qui va le penser, qui va le diriger. Avec même volé ça de la tibari là sous base que yo di joine accord ensemble avec et nous content et nous content quand même parce que nous avons une série de sénateurs nous tout connons nous yo et justement immunité au fini là donc gain en pile là donc qui va faire face à la justice Jimmy Gbagay Gbagay ou pas connait
et les sénateurs Boultet ça toujours parler compose c'est les plus gros intellectuels dans le pays, c'est les plus gros sénateurs qui donc pas longtemps là dans jour qu'il vient là le sénateur encore pas gain immunité encore, il va pas utiliser immunité pour le faire quoi que ce soit. La bien pour aller répondre une question la justice sur question des dossiers l'argent là. C'est ça. Donc Yuri là tant tu ranger corps mon frère. Quoi boit prêter ce moment bon. En tout cas, merci en pile bonhomme Pierre Joe, nous apprécions en pile de parler ça parce que nous connaissons mon aujourd'hui là au pas dormir, ou veiller actualité hein, ou c'est un monde qui très 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 important pour l'émission. Merci mon frère, ou fait partie des plateformes Vivre Ensemble et nous content des noms plateforme Vivre Ensemble sont plateforme qui dit eh bien nous tous devons vivre ensemble, nous tous gain solution pour payer. Merci en pile mon frère, pas lâcher puis continuer travail là. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie, me dit toute jasoir au Kimbe la balague. Donc après tout le monde qui a écouté l'émission qui sous channel là, Kimbe la balague, je vous dis c'est 13 janvier 2020. Donc nous même dans l'équipe président nous très confortable et nous pral poster bagaille en l'autre champ pour nous comment ca respect la soutien dans ça. Merci en pile. Que bon Dieu bénisse. Merci. Bye bye. Donc on remercie bonhomme Pierre Joe pour intervention. Ça fait nous plaisir en pile, nous avons chance pour nous parler avec nos amis qui a bon nous plus explications parce que justement gars c'est des petits bagages nous gars pas nous pas connait nous pas comprendre mais laissez monde qui en dedans équipe là qui a expliqué nos bagages et bien il porte plus lumière pour nous. Donc mesdames messieurs jeudi 13 janvier hein, et bien nous dit c'est une date symbolique, c'est une date historique. Gens qui n'a suivre sous page et tout est là nous que président Jovenel bon côté parle lui reconnaître que de façon officielle que parlement pas existé. Nous dit parlement pas existé. Effectivement, rete 10 sénateurs toujours en fonction. Mais 10 sénateurs, ça yo, même les yote en fonction, yo partant et yo tap réglé. Donc, je dis en là, président, il est le seul chef à bord. Président Jovenel, c'est lui-même qui est capable de prendre des décisions pour la nation. C'est le président qui est capable avancer avec le pays. Dans ce sens, nous dit président Jovenel, soyez prudent parce que les ennemis sont nombreux. Donc, mesdames, messieurs, nous parlons directement avec Anderson qui va nous plus d'explications justement par rapport à tweet que le président Jovenel fait. Hein? Et nous parlons aussi, il faut entendre, et quelques réactions. Nous avons Yuri Latorre sur le côté parle. Ligue a réagi. Nous avons un pilote et un ancien sénateur ou sénateur qui fait des déclarations. Nous parlons plus d'explications. Monsieur Anderson, bonjour mon frère, comment est-ce? Et bonjour Jimmy, bonjour à tous les amis, mon affaire bon studio. C'est un plaisir pour nous ensemble avec vous, matin, lundi 13 janvier 2021. Alors, et tout le monde connaît que nous vivons dans le pays étranger, que la vie en Haïti, les connaît ça. Et jeudi, lundi 13 janvier, ça représente et pour nous-mêmes en Haïti, côté lundi 13 janvier, ça, et c'est un jour, et nous connaissons qui enflammé les réseaux sociaux, côté un pile monde et qui proche pour en place à eux-mêmes, que t'attends réaction de la République là, juste avec un mandat et quelques sénateurs, et ça fait nous demander à quelques sénateurs, parce que nous connaissons le Sénat République là lui-même, et l'État supposé qu'il y a 30 sénateurs et la donne, mais à cause et sénateur élu grand de soi lui-même, et c'est Guy Philippe, et tout le monde connaît Guy Philippe, et qui a un problème avec la justice américaine. Et ça a quitté la cause d'eau. Et sénateur Guy Philippe lui-même, il n'est pas dans le Sénat. Ça vient bail. Un total de 29 et sénateurs qui sont dans le Sénat République là. Alors, nous connaissons, et même j'ai un tweet président fait matin, et lundi 13 et janvier 2021. Ça que nous dit matin, lundi 13 janvier. Alors, on a dit, et dans la soirée, dimanche 12, et pour arriver lundi 13 janvier. Alors, et côté président fait qu'on est, et jeudi, lundi 13 janvier, c'est fin et 50e législation et côté président aller plus loin pour le faire connaître, nous constater parlement pas exister encore et puis nous prenons pas de vide institutionnel ça parce que chambre députée après aller avec deux tiers dans le Sénat après aller qui est égal à 19 sénateurs et réaction et qui tombe sur avec toute la République là même l'IFA. Nous connaissons le sénateur Yuri Latorre et le sénateur Latibonite lui même il réagit et sous mandat et sénateur côté il a l'article 94.2 et qui dans la constitution côté loi électorale et l'année et côté loi électorale là vous là et puis il fait référence avec article 50.3 côté il fait qu'on ait mandat premier sénateur là pour
6 ans. Et puis, le sénateur Latibounkla lui-même, il mettait le président République là en défi, comme quoi, si toutefois, le président République là lui-même, t'as voué deux tiers et dans le Sénat aller, et lui-même, il a pris à contre-pied décision, c'est là, et lui-même, il a campé en face du président République là, nous songeons, et dans la date qui est 1er janvier, côté même Mountain, lui-même, il était président en bout de terrain. On dit le président République là, pas aller go naïve, mais nous-mêmes, donc a dit président était font action. Il y a un grand homme, il a montré le comité un vrai chef de l'État. Parce que si le président terrain et dans la ville Gonaïve et dans le joueur pour le commémorer 216e l'année indépendance, nous connaissons quantité de monde qui a perdu la vie, parce que nous connaissons beaucoup de monsieur dames opposition, qui ont gagné des civils armés, et qui étaient là, qui étaient mis le président en défi, côté où tu as fait connaître le président lui-même. Tarenni et dans la ville Gonaïve et Kagi Massacre et dans la ville Gonaïve, mais tout ça à tout, président obligé et accepté avec bout de terrain, négocié au Balian pendant que lui montrait, lui pas prendre en provocation. Nous connaissons secrétaire et nous connaissons vice et président du Sénat lui-même, qui c'est Jean-Marie Salomon. Jean-Marie Salomon lui-même, et suite après tweet président de la République de la Fonfea, réaction par là, lui fait connaître que ni là pour 6 l'année, la pour dans le bureau et Sénat. Ah, oui. Eh bien, si Tirance l'en finit, Anderson, si Tirance l'en finit, parce que, anyway, sénateur, ça va pas régler en rien. Il va pas régler en rien en un pays. Qui loi va voter, va voter en rien. Donc, je dis là, nous tous disons bye bye. Et c'est certain, Anderson. Population content là pendant m'a parlé avec ou là mon frère diaspora content parce que pas utile ça yo ça fait longtemps pays en t'attend une décision ça et pour nous faire suite avec réaction même j'ai nous qui annoncé ça nous connaît ancien et député Jean-Tolbert Alexis et lui-même et député Jean-Tolbert Alexis dans réaction parle il fait connait que président républicain pas gagne aucune provision légale pour constater que parlement pas existé encore pendant qu'il y a un tiers dans le Sénat et qui a un mandat toujours, mais il était préférable pour le président dire que le Sénat République là dysfonctionnel, mais le président n'a pas à parler du parlement qui pas existé encore. Alors nous avons dit, et suivant l'analyse, nous et a créé réaction député ancien député Jean-Tolbert Alexia jusqu'à présent il a accepté que c'est tout en un Sénat qui allait mais il n'a pas accepté avec un président qui dit pour lui-même et Sénat républicain autrement dit parlement pas existé encore oui. Et l'autre réaction nous gagne réaction et ancien président et chef député a député Delma et qui Gary Boudou côté lui même il fait qu'on dit il prend acte et de tweet et président République là côté lui fait qu'on est et côté il constate cadre du CD parlement et puis lui invite tout le monde pour mettre ensemble pour bailler pays à l'autre constitution tout le monde là donne cap permettre yo repenser bagaille et permettre un pays à dériver. Alors, nous connaissons la constitution en tout. Nous connaissons la constitution qui est en pile faille là-dedans. Je vous dis en là tout. C'est ça que c'est monsieur Damsao a contesté et de déparer, nous a dit en quelque sorte. Parce que et si la constitution n'a pas de faille là-dedans, si c'est bien bon en balise dans la constitution, je vous dis en là, ça qu'a répété. Pas à répéter, je vous dis là, tout nègre, t'as pas obligé d'admettre que le mandat a touché fin, il doit aller, et nègre ça, nous aller plus loin, même nous dit hier soir, et nègre ça, pas qu'à contester, il n'y a pas qu'à dire que c'est élu, pendant que nous connaissons le président de la République, là, lui-même tout, c'est un élu du peuple, et même M. Damzao, il y a plus passé 9 mois depuis qu'il a demandé le président de la République pour la guerre. Alors, je vous dis là, je ne sais pas quoi, nègre ça, obligé de plaire. Et m pa wè tout moi-même et pas journaliste qui a parlé là n'a parlé comme étant citoyen nous pa wè ça monsieur dame ça au tab réglé dans la République là yo pa jam venir avec une proposition de loi qui dans intérêt moun ki pi mal yo qui dans intérêt moun ka vivre dans fabla yo qui dans intérêt moun ki pa ka manger yo alors jodi c'est pas là
pour monsieur dame ça a venir contester et mandat nous bien que nous connaît constitution il reconnaît et premier sénateur a élu pour 6 ans et c'est-à-dire mandat a supposé finir dans l'année 2022 mais nous pas ça monsieur dame ça même il t'a utile pays hein nous pas qui servir il t'a prendre pays hein et c'est seulement et enrichir d'être davantage c'est seulement et gérer les ménages au gain sous côté c'est seulement et bailler ménage au poste ministériel mais après ça nous pas on l'hôpital et il fait pour population nous sommes anciens et président et privé à lui-même et côté le et nous connaissons un président de facto le privé est venu côté il était avec ministre ancien ministre planification qui c'est Aviol Pleurant le privé était allé en Chine et pour un programme pour électrifier tout pays d'Haïti, alors projet a été coûté plus passé $1 milliard, et la Chine dédiée à prendre 300 millions de dollars dans mes Haïti seulement. Même monsieur Dame Sao, il était capable de dire privé, c'est pas ça, il était où il vient faire, c'est élection, il était où il vient faire, alors m'paoué, ça m'en sao. Et quand même, c'est un bel bagage qui est privé, t'as pas le faire. Même là, en pile, moi, nous critiquons privé pour sous en pile dossier, mais dossier la Chine, dossier électrification, je pense que c'est très bon et pour payer. Bon, alors, je vous dis là, pour qui ça contestation ça, si on va qui t'a fait qui n'a intérêt masse populaire là, contestation ça pas de problème, mais c'est pour armer petit monde qui pi mal dans ghetto, c'est pour bailler petit monde qui dans qui tout âme et on face pour ca toujours que bi nous dans crasse nous, on face pour ca toujours que bébé en otage pendant petit par eux-mêmes à l'étranger, il a apprendre yo gros médecin, yo gros juge dans l'école privée en pays étranger, c'est ça. Il y a l'école privée dans le pays étranger, alors il y a même là, il y a pas là encore pour pitch, il y a qu'à venir remplacer, pour pitch, il y a qu'à venir remplacer pour toujours qu'il y ait nous-mêmes qui pis mal dans la grâce que nous y a. Alors là, nous-mêmes, nous avons essayé d'analyser les tweets et les réactions du président de la République, vu avec les tweets qu'il fait. Alors nous, qu'a dit, et je veux dire, tout le monde qui ne comprend pas ce qu'il dit dans le président de la République, pendant que nous connaissons ensemble de 29 sénateurs, et si deux tiers allaient, et c'est-à-dire 19 sénateurs allaient, et il a supposé être 10 sénateurs dans le Sénat, alors nous connaissons les présidents parler de 4 cités et parlement. Alors nous avons dit, même il y a un peu de monde qui prévoit ça, et nous n'avons pas fait analyse partisanerie, nous n'avons pas fait analyse comme si pour nous détruire. Alors c'est-à-dire, suivant ça, le président de la République, c'est pas qu'il y a un parlement encore, parlement pas existé. Oui, parlement crasé. C'est ça, en bon créole. En bon créole, parlement pas existé encore. Mais si président dans tweet là il fait qu'on est parlement pas existe encore 10 sénateurs ça qui était là moun ça pas doué a vu aucun privilège encore parce que d'après président républicain parlement pas existé encore et PDM l'état qu'on a bail monsieur Damzao ça président républicain lui-même l'état supposé couper PDM ça parce que si parlement pas existé monsieur Damzao pas utile nation en rien c'est comme peuple qui paye c'est l'argent taxe peuple qui paye si on pas travailler dans service peuple là m'pawe pour qu'ils aillent même tout yo obligé juif des privilèges bon côté l'état haïtien effectivement Anderson mais c'est quand même dommage et malheureux. On a regardé un paquet de sénateurs, un paquet de députés qui pas présenté dans la chambre, qui pas le travail, mais chaque mois il y a des chèques. Chaque mois sénateur ça au lever à chercher chèques. Mais si on pas gagné dans figure. Et nous dit que sincèrement dans pays sérieux dans l'autre pays, eh bien au monde qui pas travaille, au monde qui soit dans le chèque, mais c'est ça on t'a dû rembourser tout chèque ça recevoir. Tout chèque que vous avez recevoir pendant pas de séance là, vous avez dû rembourser l'état, c'est normal. Parce que ça, c'est pas ça, sont leurs catastrophes, ça sont leurs drames, Anderson. Mais l'essentiel, c'est que je dis, pays, tu as pris une décision ça longtemps. Nous avons longtemps, parlementaire, ça a fait pays en souffrir. Nous avons longtemps, nous avons fait pays en tête dans sa là. Je dis là, au moins, nous capables de dire, ça a gagné, eh bien, là, soi-disant, à jeune peuple là. Projet président Jovenel te gagné, et bien cette fois-ci, Anderson, faut que président Jovenel mette garçon sous lui pour le diriger. Faut que président Jovenel mette série de monde qui compétent, bon côté,
pour le capable de diriger, parce que dans les jours à venir, faut qu'on ne pas penser à l'évaluation facile au président. C'est qu'on y a président pour avoir des grandes décisions importantes pour la nation, pour l'avenir de tout le monde qui va venir. Ça est important pile. Et bon, comme étant nous-mêmes nous là pour nous informer et puis former les populations, hein. Nous on est dans un jour, même Jean Oudelan, dans un jour qui a venu au bagage la pape facile, et pour le président de la République, là, et la population haïtienne, doit reconnaître ça tout, et je dis là, et interpréter le même Jean président de la République, là, dit, nous pas qu'un parlement encore, c'est-à-dire gouvernement, nous parlons là, nous parlons gouvernement qui pas légitime, l'un dit qui pas légitime, qui pas passé devant deux branches qui ont dit qui n'ont pas le parlement. Je ne parle pas de branches parlement, de Sénat républicain et de la Chambre des députés. Son gouvernement illégitime, c'est-à-dire international lui-même, pas qu'à supporter pays, j'en fais, supposé encore. Et ça, nous dit qu'à nous-mêmes, qui est-ce qui est à la cause, c'est ensemble Mounzao qui est dans le Sénat. Et depuis plus passé 4 années, qui parle de jamais régler rien, nous connaissons une proposition de loi électorale qui est arrivée, et pour l'élection qui a fait, ils ont façon pour ne pas permettre de sacrifier les gens d'arriver, nous n'avons même pas de voter, et dès que nous reconnaissons le gouvernement, ça, alors nous connaissons international là, les mêmes, qui supportent nous à 70%, nous même c'est 30% dans l'économie, non seulement qui est institutionnel avancé, et le nouveau gouvernement ça, international n'a pas supporté nous, c'est-à-dire qu'il y a un pile vite. Quelqu'un a pile fight et nous on est monsieur dame là eux même et ils arrivent tant qu'on s'attend ils ouvrent tout petit détail pour rentrer pour monter tête peuple là même là nous avons constaté le grand monde dans ma dernière zone et Carrefour Vincent et côté plusieurs et citoyens autrement dit plusieurs civils ils ont même fait tentative de bloquer pour lock et Carrefour Vincent mais grâce avec les présence policière yo ça pas privé fait alors et je vous dis là donc à essayer comprendre et monsieur dame Tao qui demande pour l'école oui c'est parce que yo te ouais mandat et risqué et je dis là yo garder yo président révoqué yo yo garde tout pour l'attaque et ça sont preuve qui t'a supposé montrer population que pas gagne qui dans intérêt vraiment souhaité accepter pour petit nous aller l'école et je dis parce que ou révoqué ou campé pour bloquer yo zone et nous ka dit et pour le, ou pas si Carrefour Vincent mito et nan niveau bon repos, et ou pas si Carrefour Vincent tout pour aller Cité Soleil, et tout on est où Cité Soleil là, c'est un route national lié, sous choisi bloquer le jour, et tout le monde ou dit qui a retourné l'école, comment on va le faire retourner l'école, moun travail qui dit ouvri, on l'autre bois, comment moun ça ou va le faire le travail, je dis à la, moi pense que c'est clair, et dans les populations, pour ouvrir et que destin ou repose dans mes ou, pas qu'on on nègre là, qui a bataille dans l'intérêt ou vraiment. C'est intérêt personnel, et même les sénateurs et Anthony Michel Ramy fait connaître que si l'anecdote a quitté depuis avant même le président de la République, il fait connaître dans le groupe et le Sénat République, il fait connaître ensemble, mesdames et monsieur et dame Balmaté, ça a quitté le président de la République, vous voyez, deux tiers dans le Sénat, allez, comme et dans les mêmes sont monde qui était déjà demandé pour le président de la République, là, qui pile, alors pour tout le monde, ça a fait un fonds commun pour passer dans l'opposition en face des présidents de la République là. Et lui-même arrivé dit et pour les présidents de la République là, vous voyez les premiers sénateurs allez tous qui ont duré du 6 l'année c'est parce que le président n'a pas respecté la constitution hein. Alors les présidents tout lui-même l'état de perdu ils ont l'année dans mandat là il y a parlé de Taboula Raza et nous connaissons Mackenzie bien lui tout. Nous avons comme invité nous dans le passé qui se porte parole force et la connaissance 2020. Et côté M. Damsao qui est dans l'opposition politique, il a annoncé mouvement et même arrivé dit. Bataille qui peut aller là, son maman petite, et son bataille maman petite, Marie Saint-Dieu, et même les gens qui ont pour l'école ouverte, si mon bataille maman petite, Marie Saint-Dieu, et l'école l'audit pour rien, comment va-t-il fonctionner? C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci un peu, Anderson, mais c'est sûr, c'est un, après avoir tout le monde que je dis là, et c'est une date symbolique, c'est une date historique, et bien évidemment, j'en ai toujours dit, ça fait longtemps que la population a pris une décision. Ça. Et je dis, nous avons besoin pour payer en fonctionner sous toute forme. Pas quelque chose ni opposition ni pouvoir. Non. Là, c'est des pays d'Haïti qui n'ont pas parlé. C'est des pays qui n'ont pas parlé. Il faut que le président prenne responsabilité dans ce sens. Merci un peu, Anderson. Ça, c'est la première édition que nous faisons. Mais tout autant des journées, là, nous n'avons pas intervenu de temps en temps. Merci un peu, mon frère.
Merci Jimmy et n'a dit merci à toutes les amis qui par exemple sont connectés ensemble avec nous et même j'ai annoncé ça c'est première édition pour aujourd'hui alors comme nous même nous te gain temps promettre population ça que n'a sur le terrain n'a soubiton et nous connaît et professeur José Mérille lui-même qui c'est coordonnateur général UNO qui c'est Union des Normaliens Haïtiens qui rejoint opposition politique là à travers FOP et donc a dit on allié et petit Dessalines d'où il était annoncé un mouvement et dans niveau place et constitution aujourd'hui lundi 13 janvier et nous connaissons tous et militants qui proche pouvoir en place à annoncer un mouvement nous qui pour faire devant et parlement aujourd'hui et nous même n'a fait tout ça dépend de ça nous ça veut dire que il y a annoncé manifestation devant parlement. Et yo annoncé un mouvement devant parlement côté yo pral mandé et c'est M. Sénateur ça côté yo pral dit M. Sénateur ça au babaye alors nous même et nous là nous pral chercher information même bien noté bait donc engagement ça pour nous porter information pour population qui vivent et dans diaspora nous et nous sur le terrain n'a chercher information toute évolution qui t'a gagné n'a kembe yo informé. Merci Anderson. Donc, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec l'autre réaction parce que j'en ai dit le matin là très tôt. Eh bien, nous, tweet que le président Jovenel l'ancien, de façon officielle, côté qu'il reconnaît que le Parlement n'a pas existé encore. Nous dit que de façon officielle, c'est deux tiers dans le Sénat qui y a le matin là, de façon officielle. Donc, et 19 sénateurs, ça, yo, c'est de l'histoire ancienne. C'est un paquet ancien sénateurs, nous sommes capables d'attendre des réactions, nous sommes capables de Don Kato, qui t'a parlé, qui t'a évidemment, qui t'a essayé de défendre tête. Mais l'essentiel, c'est que je dis là, et pour, nous pas besoin de ça encore, parce qu'il n'y a pas de résultat. Donc, c'est ça nous a gagné pour matin là. Nous allons continuer à suivre l'actualité, hein, parce que nous connaissons le président Jovenel, l'État doit prendre la parole plus tard. Donc, toute situation, tout dossier pour les pays, hein, eh bien, nous sommes déjà prêts pour nous voir tout et ça qui passe dans le pays. Hein. Donc, nous précisons que, justement, eh bien, population envoie un message clair. Population envoie un message clair, côté que lui-même, il fait connaître que, lui ne veut pas renouveler mandat 19 sénateurs, ça, lui ne veut pas renouveler mandat sénateurs, ça, qui ne veut pas voter en quelle loi pour le pays, hein, qui ne veut pas utiliser le pays, rien, eh bien, je